Et voilà, c'est parti. Vous pouvez y aller, les gars, c'est bon. Il y a Yata qui se plaint parce qu'on prend son Mario noir. Ah là 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 là, le manque de respect de la part de Naga. En tout cas, on est sur du Naga contre Walf. On est parti. C'est bon, on peut lancer ? Oui. Bien sûr, bien sûr. Vous avez déjà pris 4 insultes du chat, hein. Ça va pas. Allez, c'est parti. 11% pris de la part du Mario, de Gaga. Walf qui sort une Rosa. Truc que j'ai jamais vu jouer avant. Alors Walf, comment vous voulez niveau perso, il m'a dit qu'il joue un peu Rosa donc pour tester. Donc il voit un petit peu, ce qu'on va faire. Après, est-ce que t'as été un bon neutral avec Rosa, ça passe. Hein. Il maîtrise pas tant de perso que ça par contre, donc faut voir un petit peu. Il va me brûler. Il a fait un smash. Je me suis retourné, il y a un smash qui apparaît apparemment. Allez, l'arrêt de Dardodge en flash surchargé. Walf il nous joue Bayo, il nous joue Rosa, il fait des smash. Bah oui. Allez hop, il spam les smash, il arrête pas. Allez, mais arrêtez avec ce smash, monsieur, arrêtez. J'ai juste fait deux. En fait, en plus il smash du mauvais côté. Ce qui est typique avec Walf. Allez, Bacro. Ce qui est typique avec Walf dans son jeu, c'est qu'il fait beaucoup de matchs, mais surtout au premier round pour montrer un jeu super super agressif. Et au deuxième round, il va changer de style. Il fait tout le temps ça dans tous les matchs qu'il fait, si tu regardes bien. Enfin, super super pifi plutôt que agressif, mais oui. Agressif passif. J'ai dit pifi. Poussif alors, tu vois. Pifi. C'est du pifi. En tout cas, et bah pour l'instant, il domine une trace malgré tout. Naga qui arrive pas vraiment à changer. Des boules de. Ah, c'était marrant l'eau. Après, je sais pas s'il connaît beaucoup Rosa, Naga, pour le coup. Je sais pas. Bah on a pas de Rosa ici. Ça par contre, ça faut jamais faire, tu vois. Ça sert à rien en vrai. Mais Walf ne connaît pas du tout perso en vrai. Il joue du Walf juste. On a l'impression que c'est marrant à voir. Du coup, bah, ça fait des choses étranges parce qu'en fait, on se rend compte que connaître un perso, ça sert à quoi si c'était mauvais. Juste être bon suffit en fait pour jouer à ce jeu vidéo. Ouais, bon neutral surtout. Et dès que le personnage a un bon neutral de base. Mais le down tilt, il faut le farmer avec toi derrière pour faire farmer la roll. Il apprend à passer le luma, je pense. Une fois qu'il sera passé le. En vrai, s'il apprend à passer le luma, je pense vraiment qu'il pourra. Surtout, en fait, j'ai l'impression qu'il a pas compris qu'il pouvait utiliser le luma alors que Rosa était en mode. Je suis dans la main, oui. Comme lui, il débute avec le perso, il découvre. Smash. Et là, il saute dans le smash, malheureusement. Premier saut perdu. Oh, trouve pas ça si cancer, Eran. Cancer, je rappelle qu'il joue le nul comme moi, donc forcément, c'est pas cancer. Oui, bon. Hein, c'est pas cancer, Rosa. C'est cool, Rosa. C'est pour ça que je joue des fois, hein. C'est cool. Je me viens. Arrête avec ce B neutral, Walf. Ça ne tuera pas Luma, le B neutral. Arrête avec ce B neutral. Je crois que ça pousse même pas Luma en fait. Les basses faut faire, c'est totalement. C'est pas du tout trop ce truc là. Bon, ça passe quand même. Plus c'est gros, plus ça passe. Toujours avec Walf. En tout cas là il se met un peu en difficulté parce que Naga a commencé à comprendre comment il joue, à lire son jeu et comme Walf continue de faire que du Walf, ça va être compliqué à garder. Allez là va se trop faire encore, ça passe avec la DI in. Brice Willetti. Walf qui ne sait pas de jab avec Shuluma. Brice Alissa contre Willetti. Luma qui a toujours une attaque totalement disjointe par rapport à Rosa. Ils attaquent pas en même temps, c'est totalement perturbant. Ah là là, faut appeler les joueurs, et pendant ce temps ça avance pas beaucoup. Ouais, Walf qui était tanké avec Luma avec des petites jabs. Mais bon, les boules de feu passent à chaque fois entre deux jabs. Et ça peut-être suffire. Hein. Ouais, ça se voyait dans l'angle. Smash sur la boule de on feu. On sentait dans l'angle qui. Ça fait mal. Bien. Attention les gars à la table d'ailleurs. D'ailleurs pourquoi t'es pas là Eran toi aujourd'hui? Parce qu'il habite pas à Montpellier Eran. Oh. Il est sur Saint-Martin. Donc, du coup automatiquement il n'y a pas de. C'est 34. Okay. Pierrot qui galère avec le challenge. Non mais c'est que la souris elle est pas réglée comme il faut, je sais pas pourquoi. En tout cas, 1-0 pour Naga, ça reste sur Harmonie du côté de Walf. Hein. Ouais. Je sais pas s'il la joue pour les matchs en plus. Faut que je demande à Lancaster. Allez, donne-toi faire.
En réalité, je sais même pas si c'est vraiment trop ou pas le trop faire bas pourcentage. Il y a pas vraiment de truc trou avec Harmony. Alors oui, il y a le trop faire, je crois. Mais à part ça, il y a pas vraiment, c'est pas vraiment un vrai de combo, c'est la dernière personne qui va vraiment camper, garder son position et écarter le pot de l'adversaire. Pablo, il y a Pablo, je suppose. Pas bien, c'est Pablo, oui, exactement. Qui ne vient plus au tournoi d'ailleurs. Et Pablo fait une pause. Ouais, s'il a autre chose à faire, je pense aussi. Hein, ouais, il est court quoi. On a tous nos périodes de pause. Hein. C'est important des fois une pause. Bah, je joue peu moi aussi en ce moment. Bah, tant mieux, je vais gagner comme ça. Essaye. C'est ce que je vais faire. Très bien, il fait attention quand même. Comment ? Allez, le jump. Je sais pas si on a internet, peut-être qu'on fera un Bah après, hein, faudrait qu'il sorte machin avant de pouvoir y jouer. Faudrait que tu me montres pour faire les images du top 8 aussi. Vu que j'ai internet aussi. Adobe Illustrator. Mais bon, moi aussi j'attends que Smash 5 sorte avant de m'y remettre réellement. On attend tous Smash 5. Walsh, arrête! Mais. Cette phrase avait tellement pas de sens parce que Walsh, il se prend de petit. On a quand même vraiment une nana qui saute, il se prend le père. C'est incompréhensible. Même son frère dit qu'il pif. Allez, donne trop faire. Tu dis le voilà. C'est chiant. Le Luma qui tank un smash de Mario, normal, moi, sans bouger, rien à foutre. Moi je fais jamais ça. 8 c'est mon plus tard. Luma qui se fait reverse. Luma est un projectile, bien sûr. Le fait qu'on puisse renvoyer les. Il est là, Sinogara. Non, il est pas là, Sinogara. Personne sait qui, Sinogara. Le F, c'est trop, c'est étrange. Il a droit de parler. Il attend son nom, il panique, hein, petit Lévi. Tu parles plus tard. Et le Smash qui va prendre la stop. 93% à 0, ça va pas être simple à revenir à ouais, mais ça pour reste Mario. Mario, c'est capable de faire des vitesses de. Wolf n'a pas l'air non plus ultra au point avec son. Malgré harmonie. Que le donneur de Mario est beaucoup de port en fait, priorité, le jab de Luma. Il continue de faire du Wolf en fait, il change son style de jeu mais il reste sur le style Wolf. Ah, je pensais qu'il allait l'envoyer vers Luma et attaquer avec Luma. Surtout que je pensais à un truc intéressant. Surtout que Luma, quand tu l'as pas en contrôle, il se place dans la position de un petit peu devant. Et là, vu que derrière, je pense que ça l'est peut-être pas. Et il fait toujours. Avant de tech, il fait jamais de jab pour l'avancer, il fait toujours un B neutral. Il fait le truc que personne ne fait parce que c'est pas safe. Que tu perds ton Luma au final, tu fais pas. Ça veut dire que ça passe, super énervant. Nous on fait ça, on se fait derrière, on se prend une puniche de fou, tu vois. Oh Luma, il est mort par un autre smash. Backstroke. Allez, 149%, il est prêt. Enfin, il peut être qui à n'importe quel moment quand même. Attention quand même à Mario qui peut faire des petits zaps. Mais là, un smash d'harmonie suffira, ouais. Attention à cette phase. Le Luma qui a bien ralenti le perso. Ouais. Je pense pas qu'il l'avait sinon. Le smash. Et là tu vois, il revient pour son smash. Elle est légère, il a de la rage. Wolf qui va. Eh ben non, Wolf qui fait un off smash au top shield. J'ai vu Mario smasher, il a décollé en même temps. Franchement, Non, d'accord. C'est Wolf, un partout. Non, c'est Wolf qui a même pas attendu l'attaque, il a off smash au top shield. C'est impressionnant. Même pas perfect shield quoi. Regarde, regarde. On la revoit là. Ça arrive. Et boum. C'est de la merde. Pourquoi il fait des bénotras avec son visage? JPP. Et là, ils sont sur Mewtwo maintenant. On passe en match Pokémon. Ouais. Ah, par contre, il n'y a pas d'avantage de type là. Ah, si. Attends, c'est Psy sur Ténèbres ou Ténèbres sur Psy qui fait mal? 4 matchs avant 3. Non, c'est avantage du type Mewtwo.
c'est le psy qui est fort contre le ténèbre. D'un point de vue match-up de Smash, sinon. Mais ouais, enfin des nouveaux persos, du coup oui c'est étrange à voir, mais oui, il a des nouveaux persos. Mais enfin il les a, non il fait du Wolf avec. Mais ouais, ouais. Ça suffit parfois. Il a envie de jouer d'autres persos. Ah je croyais que c'était l'inverse. Enfin non c'est pas... Oh Pokémon Génération hein. Il rejoue au jeu. Non mais moi l'état des types je la connais pas alors que ça fait 20 ans que je joue Pokémon alors tu sais non, j'ai arrêté, même la salle de base je la connais pas alors je sais que le dragon ça pète tout mais maintenant il y a les types faits alors c'est chiant. Moi je suis passé directement de or argent directement à XY donc bon. Ah. J'ai un peu bah moi j'ai pas mal joué de l'époque saphir diamant mais après c'est vrai que je me suis noir un peu. Mais après je me suis calmé, je jouais juste en casu, après moi j'ai jamais fait de tryhard sur Pokémon. Moi non plus. J'ai un peu de showdown pour le fun, mais ça s'arrête là. Je trouve ça trop bizarre quand même, ce side B de Greninja. Enfin, faut bien suivre le personnage en fait, il est en neutral quoi, mais... Et surtout en fait, quand il est, quand il s'est pris un coup, il peut continuer son side ouais. B quoi. Bon bah c'est passé. Les personnes détestent Wolf, on l'adore Wolf. C'est son style de jeu qu'on aime pas. Lui non, ça va. Non, il est adorable Wolf. Le jeu... C'est l'inverse de toi quoi. Mais je t'emmerde. Tu t'es vu? Oh ce bill là limite hein. Pour la quoi? Un joueur de Bayonetta. Et de Cloud. Après Bayo il la joue parce qu'il aime le perso en vrai, c'est pas vraiment parce qu'elle est forte hein. Elle sera pas top tier, il l'aurait joué aussi, hein, il m'a dit donc c'est vraiment pas. Bah moi il m'a dit la gars qui a foiré un petit peu sur setup. Oui, si elle était nulle, là, je jouerais pas forcément. Autant en poupette, mais je veux dire, quand elle est forte, il profite automatiquement. Bon, Naga, vas-tu nous sortir son Falco sur la prochaine game? Ouais, je l'ai pas encore vu tout à l'heure. Upfro, fini? Non. Non, non, pas à ce pourcentage. Maintenant, oui. C'est vrai que Fnubit, c'est pas si léger que ça, moi j'y pense. Hein. C'est un poids moyen lourd. C'est pas Fowler en plus, ouais. Donc. Grab. Ouais. Bon, c'était un Upfro, là, ça a tué. L'Upfro finissait, je pense, ouais. Ouais. Après, il était un peu stale, donc je. Elle est partie, la boule! Elle est partie de 1 pour Wolf. C'est d'accord. Vous allez voir, c'est rigolo le kill, les amis. Je vous dis pas qui gagne, hein, mais. Et Wolf qui nous sort un perso qui joue encore moins. Et Naga, on l'a pas vu celui-là par contre. Alors, il se passe des choses dans cette quart de finale. Naga ouais, qui dans le désespoir sort un Donkey Kong, Wolf qui sort un Samus sans armure. Wolf il adore le style de jeu perso qui part vers le haut, hein. Donc c'est très fort dans le jeu. Et derrière... Moi je vois juste un truc, Brice qui est en train de jouer au trainer. Ouais c'est vrai qu'il y a ça aussi, il se passe beaucoup de choses aujourd'hui. Et il a pris un stock. Ouais. D'ailleurs malgré tout. Puis quand Brice joue pas top tier. Original de cette part. Je ne saurais pas quoi dire de ce match. C'est paralysé, c'est chopé, c'est raté. En vrai, le spacing est assez intéressant de Wolf quand même. Il arrive bien à cette distance, il faut. Je sais qu'il y a, bon, il y a des gars en face, donc peut-être qu'il fait gaffe, mais. Ouais, bah, faut juste toi qu'il fasse grave maintenant, quoi. La bille, on ne tuera pas. Oh, bah, plutôt que autre chose, je pense. Hein. Par contre, c'est. Tu sors de nulle part et il le chope. En vrai, ça reste indiqué en fait, comme je dis. Mais bon, là, ça. Ah, la tech. Oh mon dieu, Wolf la tech. Ça reste pas le plus manche de gens ici. Enfin, il a quand même. Il fait son zombie, il sait que c'est foiré, mais il va jusqu'à bout de l'idée. Tu vois, c'est. C'est Wolf. Franchement, j'aime beaucoup ce match en vrai. C'est, ah, bon, bah, c'est un exemple de comment jouer contre Wolf. Enfin, comment regarder Wolf jouer. Le beat qu'on botte pas. Le grab, le. Allez, hop, un petit 35, 47. Non, faut pas le. Allez, encore 10% tu et pas, les ding-dong y tue. Oh, bien joué le. Avec la rage qu'il a donc. Ce DSS c'est vachement léger. Il a chopé avec un nerf. Allez, ça chope. Ça ding-dong. Et voilà, c'est fini. Ça finit. Bah, avec la rage, malheureusement, ça c'est.
trop d'agression à la fin. Au début, il a ses patients. Il gardait ses distances et à la fin, ça partait un petit peu. Ah, et Brice qui gagne avec l'entraîneur Wifit. Linetti contre Flynn. Brice qui me fait honneur. Bien, on joue avec le petit Pierrot. Et c'est reparti, donc Tekong contre Roy. Le gars qui rate ses reverse grab, qui oublie de reverse tout simplement. Je sais pas qui a l'avantage sur ce match-up. Bah là pour l'instant, on Wolf qui, quand même, dans la panique, prend un de ses mains. Ouf! Il a fait mal sur ce match. Ça, mais en 30 secondes, il n'y a pas de premier stock. Ouais. Le petit setup, bien joué là. Ça me faisait 100% celle-là. Faire gaffe. Hein, ce... C'est vrai que c'est pas la folie hein, pour Roy. Elle fait deux fois qu'il tech du même sens là, Naga. Je pense qu'il va toujours techer vers l'intérieur du terrain, Naga. Ouais, c'est vrai quoi, ouais, très souvent l'edge pour le dégager vite. Non, c'est juste au niveau du joueur en fait, il aime bien être avoir bien être le au milieu du terrain. Correct. Donc, ah, d'accord, ouais, c'est un mec qui aime gérer le neutral hein. Non mais les counters c'est de la merde. Je fais pas de counters. Si tu comptes des 4, tu feras rien. Non, le match est clairement pour des 4. Il le tue vite, il garde à la portée. Roy, c'est pas un perso qui a beaucoup de portée. Bon, c'est pas mal. Roy, c'est un perso qui a beaucoup de portée. N'empêche, il a bien repris l'avantage. Enfin. En vrai, c'est le dernier match, on dirait que c'est. Comment il joue, on dirait un match de premier round. Alors en vrai, ça se fait 2-2 quoi. Ça passe très très vite ce match en tout cas. Bah, les deux ont pas peur quoi. Sachez que si vous loupez des matchs, vous pourrez les retrouver sur la chaîne Smash Tournoi très vite dans la semaine. Aussi, malgré tout. Ah, et ça smash. Et c'est fini. Bien, c'est un smash. Et on est parti avec Pierrot pour s'affronter. 3-2, non ? Chérie ?